Les forces du commandant Yu prennent d'assaut les tours du littoral est sur Hagemar. Se reporte dans les tours, mais celui-ci se met à durer, à tel point que les deux opposants s'enferment dans leur bâtiment. Cinq mois après le début des combats, les droïdes ont cessé de manifester toutes activités. Sentant que personne ne viendrait sauver les troupes clones sur le terrain, le commandant Yu décide de mener un assaut final sur la tour ennemie. Après des fouilles intensives, l'escouade conclut avec fierté que les séparatistes ont fui les lieux. Mais le commandant, ne pouvant se résoudre à une telle conclusion, descend dans le dernier sous-sol pour terminer les recherches. Il découvre avec horreur une bombe artisanale destinée à faire exploser le complexe. Hurlant à ses hommes de déguerpir, il se retrouve piégé. Seul et attendant un ennemi qu'il ne peut vaincre, Yu sort son casque. Son casque qu'il déteste tant. Mais aujourd'hui, il ne fuira plus ce qu'il est. Il affrontera la mort, car telle est sa destinée. Car tel est le destin d'un clone.